Voici la chronique équipement. Une présentation de Mulligan Centre du Golf, maintenant à Belle-Oeil et au quartier d'Istrente. Cette semaine, à la chronique d'équipement, on va parler des bâtons ajustés sur mesure. De mon opinion, je pense que c'est l'affaire la plus importante au golf pour vraiment avoir l'équipement qu'on a de besoin. La grosse différence, c'est que, d'après moi, 50 % du monde n'a pas le bon équipement ou n'a même pas connaissance des ajustements de bâtons personnalisés. Dans un ajustement de bâtons personnalisé, on va retrouver des étapes très importantes. On va prendre la grandeur de la personne, la longueur des bras, aussi on va regarder à l'impact où qu'on frappe avec le talon de notre face. On va être capable de faire des mix de tiges et de têtes sur place pour vraiment essayer qu'est-ce qui est mieux pour nous. Après tous ces résultats-là, on va être capable de vraiment retrouver le bâton qui est fait pour nous puis de le commander. Quand un client va venir ou un golfeur va venir dans nos salles de fitting, il va être capable de vraiment essayer plusieurs fois, même la même tête, mais avec des tiges qui vont être différentes pour vraiment trouver qu'est-ce qui est le bon moteur à notre bâton, puis ensuite avoir une combinaison qui est parfaite à notre élan. Si on fait des erreurs ou qu'on a une tendance de frapper à gauche, c'est pas nécessairement à cause de notre élan. Ça peut être une répercussion, dans le fond, d'une tête qui est pas faite pour nous, une longueur de bâton qui est pas faite pour nous. Donc, si on pense que c'est notre élan qui est le problème, des fois, c'est pas vrai. Ça peut juste être l'équipement qui est pas fait pour notre élan, qui va nous créer des tendances. Quand on les fait vraiment ajuster à notre élan, ça nous coûte pas plus cher. Par contre, ça nous fit à notre élan à nous. Restez là. Golf Mag se poursuit après cette pause avec plus de golf.